Bonjour Rémi Durins. Bonjour. Ça y est, c'est la fin de l'année scolaire, des grandes vacances arrivent, de très grandes vacances, puisque c'est même un départ, je crois, à la retraite. Donc on avait envie de vous poser deux, trois questions. Bien sûr. Est-ce que l'on peut revenir sur votre parcours professionnel? Oui, mon parcours professionnel, disons qu'il n'était pas si choisi et évident au départ. Bon, comme tous les jeunes, on a un peu des visions romantiques. Moi, je voulais être un peu un archéologue, je voulais être un Indiana Jones aventurier. Et puis, bon, comme j'avais fait un lycée avec des bons résultats, on m'a conseillé plutôt de faire une classe prépa, puis après pour voir. Et puis, de fil en aiguille, bien sûr, j'ai pris une dominante histoire. Et de fil en aiguille, je me suis aiguillé un peu vers le professorat sans l'avoir vraiment souhaité au départ. Voilà, bon, après j'ai fait l'armée, j'ai eu une activité assez importante de ce côté-là. Et puis de retour à la vie civile, ben, j'ai passé le concours. Et puis je me suis assez rapidement investi dans le métier, on va dire, parce que je trouve que il faut y mettre beaucoup de soi, hein, il faut y mettre du cœur, de l'enthousiasme. Et donner le meilleur de soi-même. Moi, j'ai un peu une philosophie un peu asiatique, c'est-à-dire là où on est dans sa vie et sur la planète, il faut y être à 100%. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Et aussi aller un peu jusqu'au bout, c'est-à-dire passer les autres concours, l'agrégation, faire un doctorat, et bon, aller le plus loin possible dans cette voie-là. J'ai toujours aussi aimé l'enseignement, mais j'ai aussi beaucoup aimé la recherche. La recherche dans les archives, la recherche dans la nature, en archéologie. Voilà, c'est donc ces appétences, hein, ces désirs se sont bien conjugués pour essayer de le transmettre aux élèves et, tout au long de ma carrière. Et ensuite, bon, assez rapidement, j'ai eu la chance d'être nommé en Aquitaine, et à Bordeaux d'abord, et puis après à Terrasson, où j'ai rencontré ma compagne. Et puis le Périgord, c'est très bien, la qualité de vie, les paysages, le lycée, j'y tiens beaucoup parce que avant c'était un collège et quand je suis arrivé c'était le moment où il se transformait en lycée. Donc c'est un peu, bon, je ne suis pas le seul, hein, bien sûr, mais c'est un peu mon enfant. Et donc toute l'histoire du lycée, je la porte, je l'ai. Donc j'y suis assez attaché et fidèle. Vous avez marqué le lycée Antoine de Saint-Exupéry de Terrasson. Depuis combien de temps vous êtes là? Moi, je compte plus. Je compte plus. Moi, j'ai fait une très grande partie de ma carrière ici, hein, plus de 30 ans. Et bon, j'ai beaucoup de souvenirs avec les collègues, avec les élèves, avec tous les projets. Moi, j'aime bien travailler par projet, j'aime bien surtout marquer les élèves, leur faire vivre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, les pousser vers des niveaux, des qualités qu'ils ne soupçonnaient pas avoir. Et donc, chaque année, j'essayais d'avoir un impact sur ce qu'ils peuvent faire, sur l'ouverture, notamment l'international, les concours. Et je pense que j'en ai marqué quand même beaucoup. Justement, alors donner envie aux élèves de participer à des concours très importants comme le concours de la résistance, et j'en passe des locutions aussi. Oui, le concours de la résistance, c'est devenu un peu une spécialité du lycée. Hein. Je l'ai fait faire quasiment tous les ans, et avec souvent, même presque toujours, des podiums et des succès académiques, voire des succès nationaux. Donc ça, pour moi, ça a été très, 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 très bien. J'ai d'ailleurs... tous les anciens résistants, il y a Lucien Cournier d'ici, mais d'autres qui nous ont quittés malheureusement, sont devenus de véritables amis. Pour moi, ça a été important de faire vivre cette mémoire-là. Bon, mais j'ai aussi beaucoup investi dans les voyages scolaires et dans les Erasmus en particulier, où on a fait un peu le tour d'Europe, on va dire, de la Croatie à la Sicile, à l'Espagne, à la Pologne, au Royaume-Uni, on est même allé au Maroc avec les élèves, ça c'est pour un autre voyage. Et aussi le Parlement européen junior qui nous a donné l'occasion de faire plusieurs sessions nationales
et une session internationale mémorable en Géorgie, donc qui m'a personnellement beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué les 10 élèves qu'on a emmenés là-bas. On a aussi, dans divers concours, pu aller au Sénat, pu aller à l'Assemblée nationale. On a eu la garden party de l'Élysée, même on y a été invité parce qu'on avait fait un concours là-dessus. Donc voilà, on a ouvert les élèves en réel, si on peut dire, à tous les lieux très forts de la République française. On a rencontré des ministres, le président, etc., etc. Donc ça a été vraiment très très gratifiant. Ça, c'est beaucoup de souvenirs et je pense que les élèves les ont aussi. Je ne pose pas la question difficile, quel est votre meilleur souvenir? Parce que là, c'est une encyclopédie, vous écoutez. Non, je n'ai pas de meilleur souvenir, je ne hiérarchise pas. Ils arrivent comme ça, et quand on rencontre souvent des anciens élèves, hein, parce qu'il y en a qui sont devenus amis, et ben, ils me le rappellent. Ah, le fameux voyage, ou ah, le concours, ou ah, telle leçon. Enfin, voilà. Pour moi, c'est comme un collier de perles. Il y a plein de souvenirs, ça dépend lesquels on ravive. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Mais bon, je peux dire que je suis content de mon palmarès, on va dire, un peu comme les sportifs. Puis je suis content de tout ce que j'ai fait vivre aux élèves, et bon, qui font partie de mes souvenirs et que les anciens me rappellent. La plus grande réussite, c'est certainement quand vos élèves réussissent plus tard. Voilà, qu'ils ont fait un chemin, même parfois étonnant. Oui, bien sûr, c'est des élèves qui réussissent, qui vont loin, géographiquement, on en a aux États-Unis, en Chine, à Bruxelles, dans les instances européennes, un peu partout, on en a dans les ministères. Bon, ça, pour ça, je suis très fier, et je suis très fier surtout quand je me rends compte que j'y suis pour quelque chose. Dans leur choix, dans leur filière, dans leur réussite, dans les engrenages qui sont mis en place. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté de les avoir poussés, d'avoir le sentiment d'un travail accompli, ou de les avoir un peu lancés comme un tremplin, ou mis sur orbite, puis après je suis très fier de ce qu'ils deviennent, effectivement. Cette année, le confinement, cette dernière année, très difficile, très compliquée, non ? Oui et non. On a eu la chance au lycée, comme on est un petit lycée, qui a eu très peu de cas en fin de compte, on n'a pas été en jauge, c'est-à-dire qu'on a été toujours en classe entière. Donc ça a été, bon, bien sûr, pénible avec les masques, mais on a réussi à faire les programmes, on a réussi à faire cours. C'était une année en plus compliquée aussi par la réforme, la transition. Mais moi, je suis un agent de l'État, on va dire, et moi, mon objectif, c'était que tout tourne au mieux possible, surtout pour les élèves. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire malgré tout cette année. Est-ce que vous conseillez quand même à un jeune qui hésite malgré tout à se diriger vers le professorat? Alors, je sais que la profession est un peu secouée. Les élèves changent, le métier change, la société change. Je pense que les qualités les plus importantes, c'est les qualités humaines. Il faut aimer les élèves avant tout. Il faut avoir une conscience de sa mission. Il faut de l'enthousiasme. Et il faut aussi pas être isolé. On a eu la chance, j'ai eu la chance ici d'être dans une équipe solidaire, et qui communique, et c'est quand même très important aussi pour un jeune dans la carrière de trouver comme ça un environnement favorable, un enthousiasme, une énergie, et oui, travailler en équipe, travailler en projet, travailler un peu différemment. Les jeux sont beaucoup plus ouverts qu'avant, et le métier est peut-être plus difficile, mais c'est aussi des défis à relever. Y a-t-il des remerciements un auteur peut-être qui vous a donné envie de faire votre métier, ou une personne que vous avez rencontré un jour qui vous avez envie de dire merci aujourd'hui? J'ai pas eu vraiment de mentor, mais j'ai rencontré des professeurs qui m'ont marqué, moi aussi, des lectures, des films, voilà, c'est tout un ensemble. Je dois pas véritablement la carrière à quelqu'un, mais tout le monde est influencé par plein de personnes, plein de rencontres, plein d'auteurs. Et surtout que moi, je suis un grand voyageur. J'aime bien les cultures différentes, les langues différentes, et ça aussi, ça m'a beaucoup servi. J'aime bien aller voir sur place, surtout quand on est prof de géo. J'aime bien aller voir sur place comment ça se passe.
Il y a beaucoup de Terrassonnais qui vous ont connu, hein, forcément, hein, qui vous ont rencontré au lycée de Terrasson. Et voilà, donc c'est une page qui se tourne quand même aujourd'hui, non, partir à la retraite, c'est, non? Oui, c'est une page qui se tourne. On est rattrapé un peu par son âge ou par le temps qui passe, mais on y pense sans y penser, puis ça arrive tout d'un coup, ça me fait très bizarre. Ça me fait très bizarre de stopper, d'arrêter. Bon, j'ai déjà prolongé de quelques mois. C'est pas la déprime, mais c'est la conscience d'un chapitre qui vraiment se ferme. Et oui, c'est quand même un peu compliqué à gérer psychologiquement parce que j'y avais mis beaucoup de cœur, beaucoup d'élan, j'étais toujours en projet. Bon, c'est pas si facile d'arrêter comme ça. Y a-t-il d'autres patients qui vont prendre la place? Vous allez avoir du temps libre devant vous. Est-ce que vous avez déjà pensé? On sait que vous avez plein de, voilà, de patients. Il y en a peut-être une qui va prendre toute sa place. Bon, il y en a plusieurs. Bon, je ne suis pas du genre chaise longue, tendre la pelouse, repeindre les volets. Mais bon, je suis un grand voyageur, donc je vais avoir le temps de faire beaucoup plus de voyages. Enfin, j'aurai le temps, ce ne sera pas que pendant les vacances scolaires. Donc je vais un peu compléter un peu ma panoplie de pays du monde et de cultures du monde. Puis j'ai quand même un aspect sportif qui va rester. Je suis président de club, j'ai toujours fait de la présentation, des trails, des raids, des marathons. Alors j'aime bien un peu continuer. Ou comme coureur, même bon maintenant on n'a plus d'ambition, mais au moins comme organisateur, hein, comme c'est arrivé assez récemment. Et puis bon, j'ai toujours quelques fils conducteurs pour quelques bouquins à écrire, ou articles, ou recherches à continuer à faire. Non, mais l'ennui ne me guette pas, c'est juste une autre manière de fonctionner, avec quand même un petit peu de nostalgie. Merci Rémi Durin, à bientôt. Merci aussi.